c'est Pierre Bottero. T'es sûr? Oui, je l'ai reconnu. Arrête, arrête, il nous a capté. Je viens de recevoir un message de Martin qui aimerait savoir s'il peut devenir marchombre. Martin, arpenter la voie du marchombre ne nécessite pas obligatoirement d'être souple, rapide ou silencieux. Si tu es capable de comprendre et de faire tien les maîtres mots, liberté, respect, équilibre, ouverture, alors oui Martin, quel que soit l'univers où tu vis, tu peux devenir marchombre. C'est une certitude. Une question pertinente, Juliette. Elana est un être libre. Tu le sais, n'est-ce pas? Personne ne peut choisir à sa place. Et personne, pas même moi, ne peut décider de son avenir. Désolée, Juliette. Lorsque les 12 disparaîtront et que l'élève dépassera le maître, le chevaucheur de brume le libérera de ses chaînes. 6 passeront et le collier du 1 sera brisé. Les 12 reviendront alors, d'abord 10, puis 2 qui ouvriront le passage vers la grande dévoreuse. L'élève s'y risquera et son enfant tiendra dans ses mains le sort des fils du chaos et l'avenir des hommes.